Il a eu chaud. Imbattable depuis le début de son aventure dans N'oubliez pas les paroles, Laurence a bien failli perdre sa place de maestro dans l'émission de ce mercredi 29 novembre. En effet, pour la première fois, il s'est retrouvé sur la sellette mais réalisant tout de même un joli record. Depuis le 27 octobre dernier, les fans de N'oubliez pas les paroles suivent avec attention le parcours du maestro Laurence, lequel enchaîne les victoires. Le jeune doctorant en mathématiques impressionne de jour en jour et se hisse déjà à la deuxième place du classement des meilleurs joueurs de l'émission de France 2. Le numéro de ce 29 novembre 2023 a néanmoins remis les pendules à l'heure. Et pour cause, Laurence a bien failli se faire éliminer. Si est-il la challenger Laura qui a réussi l'exploit de lui faire peur. En réalisant un score moins élevé, Laurence a en effet dû partir s'isoler pour la première fois depuis qu'il est maestro dans le fauteuil, avec un casque sur les oreilles, pendant que Laura découvrait leur titre en commun à interpréter, à savoir les bêtises de Sabine Paturel. Personne n'a réussi à le faire avant, a souligné Nagui. Si elle était en tête, Laura avait tout de même le défi de trouver 187 mots de la chanson. Malheureusement, elle n'aura trouvé que 37. Les erreurs de la jeune femme auront donc finalement profité à Laurence, lequel a pu ensuite effectuer une belle remontada selon les mots de Nagui, s'assurant alors une nouvelle victoire. Je suis super content parce que je ne savais pas comment revenir du fauteuil. La dernière fois, ça m'avait paru moins long et là je voyais qu'il fallait vraiment se concentrer donc je suis très content d'avoir réussi ce challenge, s'est félicité le champion en fin d'émission. Un nouveau record malgré les difficultés. Vous qui connaissez toutes les statistiques de cette émission, est-ce que vous êtes celui qui est resté le plus longtemps maestro sans aller dans le fauteuil? Lui a ensuite demandé l'animateur. D'affilée oui, a confirmé Laurence. D'affilée avec 57 victoires. Ok, encore un record, a alors rebondi Nagui. Malgré cette manche difficile, Laurence a réussi à faire grossir un peu plus sa cagnotte de 2000 euros, ce qui lui assure désormais 457 000 euros de gains. Il se rapproche donc toujours un peu plus de Margot, la plus grande gagnante du jeu jusqu'à présent. Cette dernière n'a d'ailleurs qu'une hâte, qu'il la détrône. Elle en a marqué l'appel la reine donc elle m'a dit, très bien, mettez-moi un roi, avait révélé Nagui dans l'émission. Patience Margot. Tears.